La Jordanie intensifie ses frappes contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Une riposte à l'exécution d'un de ses pilotes capturé en décembre. Amman, qui participe depuis septembre à la coalition internationale, dit avoir détruit 56 cibles en 3 jours. Ces raids vont s'intensifier pour soutenir les forces irakiennes qui vont lancer une opération pour récupérer des positions. L'objectif est clair, explique le chef d'état-major de l'armée de l'air jordanienne. Cibler les hauts dirigeants comme al-Baghdadi, empêcher les ventes illégales de pétrole et affaiblir et détruire les centres d'entraînement et les centres logistiques. Depuis jeudi, la Jordanie affirme avoir détruit 20% des capacités de combat du groupe ultra-radical. Selon Washington, la coalition aurait repris 1/5 du territoire que contrôlait l'organisation. La Jordanie qui a reçu dimanche l'appui de F-16 envoyés par les Émirats arabes unis.